Toujours en politique, le président national du Parti du Peuple pour la Paix et les Progrès, P4 en sigle, et vice-président du regroupement Alliance des Valeurs, Patrice Emery Landou Mandundu, a lancé sa campagne électorale ce dimanche 26 novembre 2023 au terrain de Régie des Eaux situé dans le quartier Lukunga. Plusieurs militants du parti ainsi que les habitants de ces coins ont répondu massivement à cet appel. Plus de détails dans cet élément. Lancement de la campagne électorale dimanche 26 novembre 2023. Cette date restera gravée dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo. Maître Emery Patrice Landou Mandundu, président national du Parti du Peuple pour la Paix et les Progrès P4 en sigle et vice-président du regroupement Alliance des Valeurs, a choisi pour lancer sa campagne électorale au terrain Régie des Eaux situé dans le quartier Lukunga dans la commune de Ngaliema, devant une foule acquise pour sa cause. Le candidat numéro 679 à la députation nationale de la circonscription de Lukunga et 294 à la députation provinciale de Ngaliema a expliqué à la population son combat politique qui est résumé en trois points, notamment l'identité politique, la réunification ou désenclavement et alliance pour les valeurs pour construire la RDC. La renouveler parlement, je veux dire même 95, ça c'est moi, c'est l'âge de moi. Vous avez vu dans les réseaux sociaux un groupe de députés qui se choisissent un bloc pour dormir, et moi les dormais. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces députés-là? Vous pouvez attendre quoi? Nous avons besoin de 100 euros et le chef de l'État nous a dit, il a demandé à la CENI d'être réellement net. Je sais qu'ils vont, qu'ils vont réussir, qu'ils soient quand même, pour que nous puissions renouveler quand même les visages de l'enfant. Le P4 est membre effectif du regroupement politique Alliance pour les Valeurs qui soutient la candidature de Félix Antoine Tshisekedi, candidat à l'élection présidentielle à sa propre succession. En en croire Maître Emery Patrice Landou Mandundu, le P4 a aligné plusieurs candidats à l'intérieur de la RDC et cette formation politique est déterminée à donner une majorité confortable, une majorité écrasante et une majorité de travailleurs pour répondre aux besoins de la population qui est le peuple d'abord, a martelé Emery Patrice Mandundu. Tous les candidats députés nationaux, provinciaux et conseillers communaux de la ville de Kinshasa ont été présentés au public en donnant leur numéro de vote parce que l'objectif de cette formation politique est d'être au pouvoir en 2024. Quelques orchestres de musique folklorique ont agrémenté le lancement de cette campagne du président national de P4, Maître Emery Patrice Landou Mandundu. Cette fête électorale s'est clôturée dans une bonne ambiance. Maintenant, l'équipe des campagnes annonce se focaliser sur d'autres étapes de la campagne pour vendre les candidats numéro 679 auprès de la population de la circonscription de Lukunga en général pour la députation nationale d'Ngaliema, les numéros et 294. Maintenant, l'équipe de la campagne annonce se focaliser sur d'autres étapes de la campagne pour vendre les candidats numéro 679 auprès de la population des circonscriptions de Lukunga en général pour la députation nationale et 294 en particulier pour la députation provinciale de Ngaliema. Fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes chez nous.